Wake up early in the morning. Work like a devil in the sun. Time slip away without warning. Freedom day will come. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. So captives are free. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. So captives are free. So captives are free. Freedom now. So captives. Set the captives free. So captives are free. Sing with me. Yeah, yeah. So captives are free. Set the captive free. Set the captive free. So captives are free. Tu as joué avec les plus grandes stars de la planète et tu as tourné dans le monde entier. Mais j'ai l'impression que maintenant, l'endroit que tu préfères, c'est ici, dans ta cour, dans ton backyard. J'adore la musique, mais je n'aime pas me faire remarquer. Qu'on me montre du doigt ou qu'on me donne des surnoms. Donc je suis revenu dans ma cour, mon chez-moi, et j'ai recommencé à jouer de la guitare, mais différemment. Pour l'amour de la musique, pas pour l'argent. Juste pour le plaisir de jouer. Je me souviens, c'était il y a 2 ans, j'ai décidé de ne plus rien faire, plus d'albums. Je ne voulais plus enregistrer des morceaux si je n'en avais pas envie. J'ai choisi de privilégier mon bien-être physique et spirituel. Pour être en harmonie avec toi-même. C'est ça, parce que même avec plein d'argent, tu ne peux pas acheter la vie. Regardez tous ces gens extraordinaires qui sont morts. S'ils avaient pu vivre encore, ils auraient payé très cher pour vivre un peu plus. T'es pas d'accord? Ouais, la vie, ça s'achète pas. C'est bien ça. Il faut savoir ce qui est important. J'ai pris conscience de ce qui compte et je me concentre là-dessus. Mais c'est paradoxal ce que tu dis, puisque tu as quand même joué encore une fois avec les plus grands chanteurs, avec les plus grands musiciens. Tu as commencé avec Bob Marley. Est-ce que tu veux nous parler des belles rencontres que tu as faites? J'ai appris à préserver ces moments parce que j'ai réussi à garder le sens des priorités. Les gens me disaient, tu as joué avec Bob Marley et tu n'es pas riche? J'aurais pu prendre ça au sérieux et les insulter, mais j'ai préféré les ignorer. Je suis heureux parce que Bob Marley était un type épatant. S'il était encore là, les choses seraient différentes, mais il n'est plus là. Vous croyez que s'il était là? Je ne le crois pas, je le sais. Il représentait tant de choses spirituellement. Son amour pour la musique, et pas seulement pour la musique, pour les gens aussi. Il s'inquiétait pour tous ceux qui étaient proches de lui et qui l'ont soutenu à l'époque. Il faisait en sorte que tout le monde soit heureux. Tout le monde, sans exception. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelle fut ta rencontre la plus enrichissante? Bob Marley, évidemment, parce que c'était le véritable leader du mouvement reggae. C'en était le seul et unique représentant. Personne n'a pu s'approcher de près ou de loin de ce que Bob Marley représentait pour les gens. Il aimait tellement la musique. Et son but n'était pas de devenir riche, d'avoir plein d'argent. Ce qui lui importait, c'était pas ça, c'était le Rasta. Si l'argent venait, tant mieux, il en profitait, c'était naturel. Si votre métier vous apporte tout ça, vous ne le négligez pas, mais sans oublier de partager avec les autres. Et s'il se sentait bien, tout le monde devait se sentir bien aussi. Un amour, un cœur et tout le monde se sent bien. Rassemblons-nous pour qu'on se sente tous bien. Until the child is born, son is given, government shall be upon his shoulder. Prince of Peace, the wonderful counselor, and he is the light of this world. Daniel in the lion's den, know my enemies and I know my friend. Daniel in the lion's den, once again.
Daniel in the lion's den. Know my enemies and I know my friend. Daniel in the lion's den. Once again.